Merci parce que toujours branché TNH dans le SA pour suivre le journal Mitan Journée. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Tout de suite, information en détail. Premier ministre Jean Risseyan pour te quelques détails sur une série de décisions que le gouvernement déjà prend pour faire avancer le dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement dit qu'il a déjà commencé à encadrement avec le juge qui a géré le dossier avec les moyens nécessaires pour faire travail. Le premier ministre dit qu'il a déjà écrit institution concernée pour demander aux besoins sous travail qu'il a fait. Il a annoncé qu'il pourrait faire appel à le juge qui a expertise dans la question de crime financier pour mettre les compétences au service pour arriver à procès Petro-Caribéa. Nous invitons à suivre avec Anne-Marguerite Auguste. En ce qui a trait à l'idée d'une commission, une commission de vérité, une commission de vérification, une commission fouille à porte, une commission qui vous permette que tout le monde qui a des doutes sur mécanisme gouvernement a utilisé qui a des doutes sur l'institution d'un pays qui a mené enquête sur le dossier, commission qui est capable de vérifier ce qu'a fait, communiquer avec le monde, bailler information, commission que le peuple haïtien a interrogé tout. Mais ce qui est important, c'est que je me rends compte qu'il y a plein de monde qui a mal interprété la constitution, la composition de la composition. Moi, j'ai baillé en liste non exhaustive de 16 secteurs, 16 regroupements, 16 organisations. Nous débattons en liste, côté Mdesi, c'est des organisations qui sont réputées crédibles dans la société. C'est eux-mêmes que je vais adresser, je vais chiter avec eux, pour que eux-mêmes prennent responsabilité, créer commission ça. Je vais demander à NMH pour la commission. Je ne demande pas à l'Église catholique pour la commission. Je demande à tous ceux qui sont crédibles dans la société que nous fassent confiance, que nous chita, que nous même décidé sur qui est la société haïtienne qui est compétent, qui est crédible, qui a fait partie de la commission, qui pour mener nous dans ça. Nous-mêmes, nous avons cherché dans le gouvernement. Nous-mêmes, nous avons cherché au niveau de l'État. Dans ça, le peuple haïtien a cherché les jeunes dans la rue. Moun qui voulait tout bon qu'on ait vérité qui fait sous Petro-Caribé. C'est ça le pays. M'pata mandé organisation ça yo pour y aller mêler dans la commission parce que nous connaissons peut-être pas gagner et triture et formation pour y aller faire recherche ça. Mais que a choisi, moun que vous voulez, et m'te dit, la indépendant, gouvernement pas participer là-dedans, gouvernement simplement abaye tous les moyens qui sont nécessaires pour que la commission soit faite dans de bonnes conditions et que tout le monde à l'aise, tout le monde confiant dans sa commission a bien pour le faire. Et ça, n'a bien pour le faire nous-mêmes, c'est bail accompagnement, encadrement à toute institution. Ça par exemple, nous écrit la Cour supérieure des comptes pour demander qui besoin, quel que soit besoin gagné pour le faire travail là. Nous prêts pour nous bail accompagnement. Le juge qui sous dossier a, nous écrit CSPJ, qui pour demander qui a le besoin pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions. Et nous avons annoncé que depuis hier, nous mettons à la disposition du juge qui sous dossier a, une machine blindée, des agents de sécurité, et nous avons continué à attendre qui notre accompagnement a besoin. Il en est de même du commissaire du gouvernement. Donc, nous voulons clair sur ça. Commission, c'est une commission qui pour al garder, al fouiller, al poser questions, al comprendre, al observer le travail, la justice a fait travail, que le cours de cassation a fait, pour voir est-ce que vraiment il y a un bluff dans là ou si le gouvernement décide véritablement. Fait le jour aux questions, les gens qui pour punir, qui baille explication nécessaire pour comprendre qu'il y a baille, eh bien, monde qui pour remettre l'argent, pour remettre l'argent, parce que nous ne comprenons pas ça. Bien, le projet nous a commencé à camper. Je ne peux pas courir dire que le projet a campé parce que le monde a volé comme là. Il faut que je pose des questions. Il faut que je connaisse ce qui est passé. En ce sens, je ne peux pas dire
task force que nous faisons nous-mêmes à l'intérieur du gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas démissionnaire sous question ça. Le gouvernement a fait travail, nous pas arrêté les bras croisés. Nous disons déjà, nous faisons une task force qui lui-même tout a cherché, compilé toutes les informations qui sont disponibles pour les gens qui veulent qu'on ait, qui sont disponibles pour nous-mêmes tout, pour nous comprendre tout ce qui passé et qui permettent de nous poser des questions, accompagner nous. Est-ce que le projet à Campéa, c'est comme l'État qui a été fait ou bien est-ce que y a un problème avec une institution de l'État? Et bien, à ce moment-là, nous-mêmes nous prêts pour nous retirer tout goulot gain. De l'autre côté, le Premier ministre Jean Rissé fait qu'on ait abordé une série de sujets qui n'ont intérêt public là dans le Conseil ministre mercredi 24 octobre là, tankou, dossier insécurité, apaisement social, question élection qui doit être faite dans l'année 2019 et puis dossier budget pour ne citer ça seulement. Le Premier ministre a expliqué dossier Petro-Caribé a pas fermé le gouvernement sous l'autre problème pays a fait face. Toujours dans le micro à Marguerite Auguste. Gouvernement pas monopolisé sur question, hein, mais gouvernement tout pas capable de pas mettre en phase sous problème ça, qui sont revendications actuelles du peuple haïtien et kadil de sa grande majorité. Donc, nous pas qu'à fermer les oreilles, non. Nous pas qu'à arrêter immobile. C'est pour ça, nous mobiliser sous question ça tout, mais entre temps, mon Dieu, mais quand pile travail, nous fait venir. Nous avons un mois que monde qui pensait que nous avons 3 ans depuis nous là, nous pouvons venir. En pile travail, nous avons travaillé là, aujourd'hui, hier, nous avons un conseil des ministres qui était chargé à point, notamment la question du budget, la question des élections qui doivent se faire cette année. Et qui est la question de l'insécurité. Nous travaillons en pile. Mais une fois nous consacrer un temps particulier à ce problème ça. Pas oublier, dans la déclaration politique générale, non, le premier point, c'était l'apaisement. Ça participe de l'apaisement. Le peuple a compris. Et lui, ouais, c'est tout bon, nous décider, faire bosser. Sans passe pour qui? Sans protéger personne. Eh bien, nous sommes capables de rebailler la population, sérénité, ça, que nous avons besoin pour nous travailler plus bien. Mais nous travaillons dans la famille. Sur la question du budget, oui, nous prenons une décision. Et oui, ou après, je dis, le ministre des Finances n'est pas là, parce que c'est un acteur dans la question Petro-Caribé. Le ministère des Finances n'est pas là, c'est parce que justement, il y a une invitation dans le Parlement sur la question du budget. Nous travaillons en pile sur le budget, à la primature, dans tous les ministères, nous travaillons sur le budget, parce que, pas oublier, le budget est conforme à ce qui est dans la déclaration de politique générale. Non. Les 3 points, les 3 grands axes, qui découlaient des axes, de 7 axes du président de la République. Panneau, résumé dans 3 grands axes. L'apaisement social, la création d'emplois et la relance de l'économie nationale, surtout la relance de l'agriculture. L'autre dossier, travail, infrastructure et construction route, yo apra poursuivre dans Belade. D'après vice-délégué Belade, travail ça yo apra poursuivre même après fête commune qui fixé pour 31 octobre Cap Vinila. Stéphanie Scholl et Wilson Idoré a présenté un reportage. Asphaltage route, infrastructure routière, bétonnage, c'est parmi diverses réalisations caravane changement dans la commune Belade, quelques jours avant célébration 70e anniversaire commune ça. Vice-délégué commune nan, Joachim Ivanovski, fait connaître travail presque fini pour fête là. Il invite touristes et moun nan population an, pour venir fêter dans tête posée. De 1948 à 2018, c'est son excellence Jovenel Moïse qui offrit tout avantage sa yo à la commune de Belader. Donc, le nous avons gardé tout édifice à préparer, et hydroélectrique à préparer, de l'eau à dîner pas prendre ça en charge. Belader, en réalité, li en chantier. Donc, c'est pour me dire que tout le monde vraiment, yo pas de mots pour exprimer et contentement. Yo, et c'est ça qui fait un pile là-dedans. Qui te dit, comme yo connaît que li a beaucoup plus facile pour que moi-même moi prenne la parole. Le m'a prend la parole, retirer chapeau vice-délégué, mais parler dans non toute communauté beladeroise là pour me capable dire combien que yo coube yo bien bas devant président. Et tout le monde dit que yo prêt pour yo prouver le 31 l'heure que président a vini pour l'accueillir depuis l'entrée ville là. Député commune nan Gershon Guerrard remercie président République là Jovenel Moïse qui d'après lui-même gagne volonté pour mettre pays en chantier dans cadre mission li gagne pour ville frontalière yo gagne un autre visage. C'est dernière touche qu'a fait travail a continuer. Au contraire, nous profiter pour nous remercier et gouvernement, président
où elle nous commence à recevoir ASAP. Et c'est la première fois que nous-mêmes, génération Panouan, Abgali, nous recevons ASAP dans la ville de Belader qui sorti bon côté l'État haïtien. Mais qu'on y a avec vision, président Jovenel, côté se mette pays en chantier. Et où elle, ces dernières touches qu'a fait là, c'est ASAP qui va commencer à poser dans Belader pour que effectivement gens tout le monde te sentil. Et ça qui est plus étonnant, c'est dans si beau temps que quand ce travail ça a commencé à faire. Nous disons grâce à la volonté président Jovenel, lui-même qui te promet et depuis la campagne électorale que la ville frontalière nous faut qu'il y ait un autre visage. Et vous capable de constater, il a commencé dans Wanamet, nous dans Belader, il a pour traverser sur un sapit, le travail a continué. Président Jovenel dit, et 30 octobre, Belader a toujours en chantier. Après la prochaine chantier jusqu'à ce que l'arrivée projeté 20 images que lui-même livre 22 villes frontalières nous. Autorité dans commune nan assurer travail reconstruction route yo dans commune Belader a continuer pour permettre Belader respirer un autre l'air grâce à caravane changement. De l'autre côté, travail construction route Carrefour Méridien pour arriver Dibray là avancé. Travail ça va permettre monde qui fréquenter zone ça aller en souffle d'après quelques citoyens dans communauté si là. On suit avec Lionel Jean-Louis et puis l'Aurore dans les Jean-Jacques. En pile gouvernement passé il pas monsieur ouais, si que nous gain problème route. Finalement, nous content pour gouvernement ça monter qui ouais nécessité nous ici. N'a dit président merci parce que il pensait à nous même malgré te gain pile parole qui t'a parlé, il pas t'accepté. Il t'a dit que ça pas fait. Moi-même profession c'est taxi, c'est ça me fait. C'est dans la rue me travaille depuis gain route m'a senti mal à l'aise parce que si gain route gain courant, me pas limiter mon l'air pour me travailler. Mais si toutefois que gain fait noir, même si gen route si gen fait noir m capable pè sorti, mais si ke m vinn jwenn lumière et puis gen route m ka di m ka travay n'importe lè lèm décide m ka prend la ria puis nou ka remercier gouvernement Jovenel Séan pour si grand activité ça qu'il mette comme caravane changement. Nous même nan bureau nous jwenn ni rive sou nou, n'a di merci et n'a pas encourager pour capable faire plus encore. N'a mande tout faudrait que gen canal qui fait sur route là. Et si pas un canal nous reste un travail qui pas tellement en forme d'après nous même ici. Et d'autant plus sur route Chantal en Carrefour Bureau, donc tu as une zone ça a ouvert plus pour t'as gagné belle liberté. Donc une crèche qui on pour fait là l'autre t'a fait tout bas t'as pas aller pied en forme. L'autre fini nous demander que pour t'as toujours continuer river du Breil. Actuellement là deux Carrefour Meridie c'est mes cas zéro lié côté mi là mi dans 6 km et demain si Dieu veut et faut river tout côté et m'a travail là avec asphalt là. Avec obligé à ce moment de travailler d'arrache-pied pour terminer et quand voilà si me dure qu'à dire 4 mois 6 mois c'est péché parce que avant là nous faisons des potes 10 jours pas travailler à cause de la pluie voyez bien qu'à un peu du vol ça me dure bien alors qu'il est capable de dire combien de jours et de combien de mois qu'il m'a fini mais n'a pas travaillé d'arrache-pied. Et si vous avez là, c'est pour avoir matériel, vous avez l'eau, des camions, qui fait des boussailles et qui fait des blés en même temps. Objectif, nous, il faut que ça finisse. L'autre nouvelle, Chambre commerce, femme entrepreneur d'Haïti, mettez budget du 25 octobre 2018 là, avec deuxième édition Forum économique, femme haïtienne, qui démarre mercredi 24 octobre 2018 là. Femme moteur relance économique d'Haïti, c'est en baptême ça. Déjeuner réflexion yo déroulé avec participation yon quinzaine conférenciers. Diverses femmes qui sorti dans quatre coins pays a te participé et puis partenaires international. Yo contredit à Rachel Sefort et puis Fresnel Toussaint. Rad, collier, sandal, valise, bourse, barrette, zano, créma. C'est parmi divers produits qui étaient exposés dans l'occasion deuxième édition Forum économique Femme haïtienne. Selon l'organisateur, ce qui est plus important pour vous, Anissa, c'est garder le rôle, participation femme yo dans l'économie pays. Activité ça, c'est l'occasion pour femmes qui te fait déplacement, brasser l'idée sur divers sujets qu'il y a avec l'économie, tant que vous avez fait mode, procédé exportation, leadership féminin, sport. Et je dis, nous avons actuellement là un panel qui a fait sur le sport, le rôle du sport, comment le sport est capable de faire capable de relancer l'économie. Après, nous prenons une présentation pour femmes qui ont un business et qui ont aimé exporter à l'étranger. Donc, nous allons parler de procédures pour que les gens qui produisent en Haïti qui veulent exporter. Donc, vraiment,
c'est des sujets qui variaient selon agenda que nous-mêmes nous t'ai préparé pour Mounio. Nous tous gagnons un panel qui a fait sous la mode haïtienne est-elle en pleine expansion. Lui-même, c'est un panel côté parce que pas oublier ici en Haïti et surtout dans la chambre de commerce, nous gagnons un pile mesdames qui dans le secteur mode là. Donc, il était très important pour que vous te connaissiez exactement qui bon nous est aujourd'hui et qui bon nous pour aller dans peut-être 5 à 10 ans. Défendre les Commission économie et finance chambre député à Chita Palé jeudi 25 octobre là ak ministre économie et finance là Ronald Desembre qui te gen ak li directeur général autorité portuaire nationale directeur général douane directeur général bureau monétisation programme aide ak développement BMPAD ak direction générale impôt état financier pays ak budget exercice fiscal 2017-2018 pays a te nan mitan discussion yo d'après vice président commission économique chambre député a Louis Romel Bogé. Yon extrait dans micro fait d'un confident ak Michel Joseph. Les attentes des ministres financiers, surtout avec dépréciation de la goud là. Donc nous connaissons que aujourd'hui un dollar presque à 74 goud. Et donc demain nous va connaître et dans un mois encore nous va connaître que ce dollar ça va pas arriver à 80 goud. Donc c'est là point d'interrogation pas noté. Donc nous tapons ces questions des ministres en ce sens. Mais nous cap dit que situation les gens ministres expliquent là les contingents difficiles. Par exemple le déficit. Si je dis en là, nous voyons que ça gagne et nous t'es dit l'un des rencontrés ministre qui était avant là, c'est qui était ministre Salomon. Et il t'a dit que là ça déficit était à 9 milliards. Je dis en, nous croyons que nous presque à 18 milliards à 20 milliards de gouttes. Donc c'est vraiment catastrophique pour le pays. Donc c'est en ce sens que nous avons regardé qui mesure que le ministre s'en prend pour le cas corriger la situation. Ça. Redresser là-bas, c'est avec le premier bagage pour nous garder, c'est les dépenses, parce que nous gardons que la Banque centrale, les mêmes depuis les factures, de bon côté parler, j'ai le ministre n'a pas gardé là, c'est honorer, c'est couvrir avec facture ça, couler les dépenses pour nous garder, pour nous pas permettre que en pile dépenses pour arriver encore et sous nous là, garder pour nous qui en cas baisser question déficit ça. Ministre économie et finance Ronald Desembre expliquait état finance pays difficile. Ministre Ronald Desembre encourageait tout le monde pour payer impôts. Toujours dans le micro Fédéral Confident avec Michel Joseph. Tout le monde d'accord pour que nous mettions l'engagement nécessaire, nous engager nous pour que recette là reflétée le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal. Parce que ce n'est pas souvent que recette-là reflète le potentiel fiscal. Donc ça, c'est ça que j'ai besoin de dire. Maintenant, l'autre choix que l'on a, c'est de réduire les dépenses. Mais réduire les dépenses. Le ministre des Finances est dans une situation très délicate dans cette situation. Dans une situation très délicate dans ce cas de figure. Réduire les dépenses veut dire quoi? L'institution qui croit, qui regarde son budget et qui voit les crédits inscrits dans son budget, mais cette institution croit que ces crédits sont déjà des fonds acquis. Et ce sont des fonds. Pour cette institution, ce sont des fonds, c'est de l'argent. Alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Si c'était le cas, on ne se serait pas retrouvé dans la situation de ce déficit assez monstrueux. Assez monstrueux, c'est un déficit très monstrueux. Moi-même, c'est la première fois que j'ai vu dans l'histoire de ce pays ce niveau de déficit. La première fois. Par exemple, un niveau de déficit comme ça, qui est un déficit de financement qui est à l'autour de 24 milliards, de 26 milliards. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et vous voyez ce qui se passe. On est à un taux, on a un décrochage du taux de change. On est à un décrochage du taux de change aux alentours de 72-73. Lorsque j'ai été installé, je l'avais dit, le taux était de 70. Lorsque j'ai pris fonction, ce taux-là était de 70 gouttes pour un dollar. Et j'avais vite compris que
ça aurait dû être déjà à plus que 70. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas été? C'est parce que justement, parmi les flux, dans le flux dépenses qui fait dur, dans le flux dépenses, l'argent qui décaisse, dans le flux, parce que nous sommes flux, dans le flux l'argent qui décaisse, nous avons tout qui est une bonne partie qui peut co-injecter dans l'économie. Une bonne partie qui peut co-injecter dans l'économie. Parce que si on est injecté, eh bien, il y en a encore plus. D'accord. Bah, bon, il y a beaucoup d'injecter. En tout cas, c'est la situation comme nous demandons. Nous demandons pour une bonne situation. Nous demandons pour une bonne situation et exécution budgétaire. Une bonne situation exécution budgétaire 17-18 là. Dans un arrêté présidentiel qui portait date jeudi 25 octobre 2018 là, dans le journal officiel pays à Le Moniteur, citoyen Yvon Bonhomme nommé comme nouveau directeur général ministère haïtien qui vive l'autre bord de l'eau, MAV. L'idée parti politique parasol là remplacé dans le poste ça, Yolette Mégoual. L'autre dossier, directeur office assurance, accident de travail, maladie et maternité au FATMA, Dr. Agabus Joseph, remet ministre éducation nationale à formation professionnelle là, Pierre Josué Agenocadet, 4004 assurance. Cérémonie distribution ça qui déroulait jeudi 25 octobre dans le ministère, rentré dans le cadre exercice feuille de route, chef l'État Jovenel Moïse, by directeur général au FATMA pour chaque employé dans l'État, bénéficier d'un cadre protection sociale. Directeur général au FATMA, Agabus Joseph explique plus loin, il a continué avec démarche ça pour aider tout employé dans la fonction publique là, river joindre soins santé. Il y a un extrait dans le micro, c'est quoi pas qui avec Henri Robert Chéri. Initiative ça que n'a présenté Jodia, c'est depuis là que ministre n'en rivé dans tête éducation nationale et moi-même dans tête au FATMA. Que nous travaillons sous le dossier ça pour nous voir comment nous avons appliqué la feuille de route que le président Banon, qui c'est protection sociale pour tout employé et professeur l'école. Donc, aujourd'hui, nous arrivons avec environ 4004. Donc, rester l'autre département pour nous toucher encore, mais faut nous dire que c'est un bagaille qui que le président tient à lui en pile et trois entités ça yo fait partie de priorité président. C'est professeur l'école, policier et professionnels de la santé. Donc, trois PSAO, c'est chaque jour, président a demandé comment on a pas avancé avec eux. Donc, c'est peut-être ça, nous avons déployé tout effort nous pour que nous avons produit 4 PSAO qui permettent que professeurs, quel que soit côté sous territoire national là, que y a bien accès à soins de santé. Mais il était encore un pile effort pour nous faire pour nous améliorer la qualité de soins. Nous connaissons que la situation n'est pas facile, est difficile en pile, mais selon instruction que gouvernement Moïse Seyan ban nous, nous avons obligation pour nous améliorer soins de santé que citoyens, que professeurs nous, que tout employé l'État et population en général à recevoir dans le pays. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenocadet remercie directeur général OFATMA pour 4004 assurances yo li permet professeur l'école et personnel cap travail dans l'école publique yo bénéficier. De l'autre côté, Pierre Josué Agenocadet expliquait qu'il y a 5 départements qui se centrent l'ouest, nord, nord-est et NIP qui ont déjà bénéficié 4 protections sociales ça. Nous invitons. Nous non pays côté tout monde admet li grille salariale là-bas en pile. Pendant que l'administration
Moïse Seyan a travaillé pour être comment capable de repenser grille salariale là. Nous pensons que l'urgent et important pour nous capable de compenser faiblesse grille salariale ça par aux mesures de protection sociale. Et dans la semaine ça, dans le dernier conseil des ministres, président PIA, Jovenel Moïse, lui posait problème protection sociale. Pas seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour tout pays, pour tout employé de l'État et même respect à tout. Parce que les protection sociale dans le pays, eh bien, il y a un bon genre d'apaisement social. C'est dans ce sens tout, nous avons salué un gros effort au Fatma fait, qui a un dynamisme qui a développé en dedans et qui mettait tête ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, qui joue une grosse revendication dans tout syndicaliste, tout syndicat enseignant, qui toujours posé problème de protection sociale pour tout enseignant. Je dis à la, en dépit de tout effort fait déjà, en pile 4 déjà bail, mais je dis à 4000 nouvelles 4 assurances et côté tout pour renforcer les services d'assurance dans tout l'hôpital qu'il a ou bien centre santé pour recevoir eh bien moun qui gen 4 ça dans main. Donc c'est dans ce sens ça dans nos ministères éducation nationale dans nos tout gouvernement n'a dit on chaille félicitations à Ofatma qui active le travail là. Mais faut que nous dit tout aujourd'hui à la nous admettre gen 5 départements qui couvrent totalement avec service assurance là. Gen 5 autres départements qui pas encore gagné l'an yo ou bien qui gagnent de manière très faible. Et aujourd'hui, nous prenons engagement, ministère éducation nationale, avec tout Ofatma, rapidement, dans le mois de novembre, là, pour aller toucher tous les 5 départements qui pourront gagner lieu. Et c'est là, mes téléspectateurs, nous mettons en bout dans la 5e et dernière sortie, journal Mitan Journée pour semaine ça. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez sous TNH pour la programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.